Salut tout le monde, Nicolas ici avec le blog de Best Buy. Je suis un fan de Kiss, comme vous pouvez l'entendre, et il n'y a pas de guitare qui se marie mieux à la musique de Kiss que la Les Paul. En ma possession, j'ai trois Epiphone Les Paul. J'en ai une en rouge, Heritage Sunburst, qui est très traditionnelle. J'en ai une autre ici, qui est en noir, donc un peu plus furtive. Et j'en ai une autre, un peu plus exotique, en bleu. Donc, ces modèles, c'est les Epiphone Les Paul Special 2 Plus Top. Le Plus Top fait référence à la couche d'érable ajoutée sur le dessus du corps. Et lorsqu'on le jumelle à la finition transparente, on peut voir tout le détail de l'érable. C'est vraiment très beau. À part de ça, la touche est en palissandre et le corps et le manche sont en acajou, comme toute bonne Les Paul. D'ailleurs, le manche est très petit. Je pense que les débutants vont avoir vraiment une facilité à l'apprivoiser. Il est très confortable. Un autre fait intéressant, c'est que les micros sont conçus aux États-Unis. Donc, cette guitare représente vraiment une excellente valeur et une très bonne sonorité. Écoutons plus d'exemples sonores. Donc à la sortie de la boîte, tout était très facile à jouer, l'ajustement était excellent. La touche était basse et en plus, le manche est très mince, donc les débutants n'auront aucun problème à apprivoiser l'instrument. Aussi, pour les gens qui sont intéressés par des techniques un peu plus modernes, ils vont se rendre compte que la fluidité est vraiment très facile à atteindre grâce au manche. Je trouvais que la guitare sonne très bien. On n'a pas vraiment de misère à régler nos sons. Il y a par contre une petite différence avec la Les Paul traditionnelle, c'est que les contrôles ici, on a un volume partagé pour les deux pick-up ou les deux micros et un tone aussi. Sur une Les Paul traditionnelle, on a un volume séparé pour chaque micro et aussi un tone séparé. C'est pas une grosse perte, tout est facile à ajuster tout de même. Il y a des caractéristiques partagées avec une Les Paul que je trouve qui sont très importantes. Premièrement, le manche et le corps sont en acajou. Ça ajoute une qualité chantante aux notes individuelles et lorsqu'on plaque des accords, ça les fait sortir. C'est vraiment un ingrédient important au son de Les Paul et c'est très bien réussi dans ce modèle-là. En plus, avec le dessus en érable et le fini transparent, on a vraiment l'impression de jouer un instrument plus dispendieux qu'il en est. Fait que c'est très intéressant sur ce point de vue-là. Moi, j'ai été très content avec cet instrument-là, je l'aime beaucoup. Je le conseille aux débutants, évidemment, parce que c'est abordable et c'est très facile à jouer. Mais pour les gens qui ont déjà une guitare, c'est un excellent choix de deuxième instrument, surtout s'ils ont un modèle qui contraste avec la Les Paul, comme une Telecaster ou une Stratocaster. Si vous êtes curieux pour plus d'informations sur cet instrument-ci, je vous invite à lire mon évaluation complète sur le blog de Best Buy. Merci beaucoup d'avoir écouté. Mon nom est Nicolas et à la prochaine.